Et bah bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être plutôt tranquille, mais qui va servir aussi surtout d'annonce en rapport donc au jeu Minecraft, hein, je pense que vous l'aurez bien compris, rien qu'en voyant la map dans laquelle je suis, et qui va concerner bah, plus précisément le jeu à prendre ou à laisser, dont d'ailleurs le plateau se trouve juste ici. Je vous en fais voilà, une petite vue aérienne du plateau que vous avez que vous devez forcément bien connaître si vous avez vu bien sûr les émissions. Qui ont été publiés bah, il y a maintenant un moment sur la chaîne, hein, avec déjà 4 émissions que vous pouvez retrouver du coup sur la chaîne, et qui ont d'ailleurs eu un succès bien correct, et d'ailleurs je tenais à remercier vraiment ceux qui ont suivi ces émissions et qui les ont appréciées, parce que c'est en partie grâce à vous que j'ai décidé, on va dire entre guillemets, d'améliorer ce jeu, et c'est pour ça que justement il y a ce nouveau plateau là, qui annonce tout simplement que apprendre ou laisser. Fait peau neuve et donc une saison 2 arrive. Et oui, j'étais vraiment motivé à refaire entre guillemets le plateau qui est, comme vous pouvez voir déjà celui-ci, couvert et qui est également un petit peu plus petit que celui bah, que le précédent, qui du coup ne servira plus jamais parce qu'il servait pour la première saison. Donc je vais en profiter également pour vous faire montrer, pour vous montrer tout simplement l'intérieur du plateau. Voilà, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment un plateau que j'ai fait vraiment pas bah, tout seul, j'allais dire en une journée, on va dire en 2 grosses heures de travail. Ouais, entre 2 et 3 heures. Donc j'avais envie, voilà, pour... parce que je sais que vraiment, voilà, apprendre à laisser, ça fait vraiment partie de mes jeux préférés. Je sais aussi que c'est un jeu que vous avez plutôt apprécié, vous avez plutôt apprécié, on va dire, ma version sur Minecraft. Donc je me suis dit que ça valait quand même le coup d'améliorer le jeu, de lui redonner... voilà, de le refaire tout simplement. De l'améliorer un petit peu, et je me suis dit que déjà ça méritait un nouveau plateau. Donc bah en tout cas j'espère que la décoration vous plaît. J'ai essayé de faire un truc, bon, il y a peut-être un petit peu trop d'or, un petit peu trop de lumière, mais franchement bon, j'aime bien. Voilà. Ça j'apprécie bien, vous pouvez d'ailleurs voir un peu le tableau des gains plutôt, qui a un petit peu changé par rapport à la première saison. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a plus à gagner hein, durant cette saison par rapport à la précédente. Toujours la 25e case qui est là. Et encore, il n'y a pas que ça, car pour cette saison, j'ai également prévu des petites nouveautés. Bon, après, c'est pas non plus un truc de fou, mais voilà. C'est histoire de changer un peu la donne. Donc voilà, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement bah, pour vous annoncer, surtout bah, que la saison 2 d'Apprenons à laisser est lancée, si on peut dire. Et que donc, bah, si vous souhaitez y participer, et bah, vous pouvez, hein, il suffit de me contacter hein, dans les commentaires... Enfin, de vous manifester plutôt dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir et puis on pourra s'arranger, si vous le souhaitez, participer, bah, qu'on puisse trouver une date et une heure bah, pour tourner ça ensemble. Je pense que ça sera bien fun. Évidemment, les quelques-uns qui ont pu participer à la première saison sont réinvités avec plaisir. Ils peuvent venir rejouer et tenter leur chance également pour cette saison, il n'y a aucun problème. Évidemment, c'est sur PS4, donc si vous n'avez pas la version PS4 de Minecraft, ça sera compliqué. Mais voilà, si vous avez la version PS4, que vous avez l'abonnement PS Plus et que vous souhaitez y jouer, bah il n'y a pas de souci. Seulement, je tiens aussi à dire que le jeu pourra certainement être jouable également à deux. C'est-à-dire que si vous jouez, vous souhaitez y jouer avec un ami ou en tout cas en duo, bah vous pouvez. C'est tout à fait possible. Et concernant également le jeu, il est possible qu'un jour, si je suis motivé, que je refasse également le plateau, mais sur la version PC. Parce que maintenant, bah voilà, j'ai également la version PC de Minecraft. Ce sera pas tout de suite, mais il est possible, hein, si jamais il y a des joueurs qui... Enfin, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont sur PC, version Java, hein, je précise, et qui souhaiteraient participer à un truc comme ça, bah n'hésitez pas à le dire, et peut-être que éventuellement, si ça vaut le coup, je referai également bah, le jeu également sur la version PC. Et puis, bah, peut-être qu'à l'avenir, il y aura également des émissions de ce type sur la version PC, donc voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo annonce pour vous annoncer cette petite nouvelle. Je suis plutôt motivé là pour refaire ce jeu en plus sur ce nouveau plateau que vraiment j'apprécie beaucoup. Donc j'espère que ce sera le cas aussi. Donc si jamais vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à me contacter. Et puis bah on essaiera de faire ça par exemple durant un week-end, il n'y aura pas de problème. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous fera très plaisir. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Hein. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!